Ah, tiens, je me trouvais là-bas, en 48, en Palestine, à la fin du mandat britannique. Le deuxième classe Mott. J'étais encore un crétin maigrichon. Je me suis retrouvé posté sur un toit, au milieu d'une escarmouche. On aurait juré être au milieu d'une tempête avec toutes ces balles. Le monde était devenu fou. Enfin, vous n'avez pas envie d'écouter les histoires d'un vieux gâteux. Je suis plus âgé que vous. Vous fichez pas de moi. J'ai 906 ans. Vous êtes si vieux que ça? Ouais. Ça alors, 900 ans. On doit avoir l'air d'insectes à vos yeux. Quand je vous regarde, je vois des géants. Écoutez, je voudrais que vous preniez ça. Je l'ai conservé toutes ces années, je me suis dit que... Non. Non, mais si, si vous le preniez, alors vous pourriez sans doute... Non. Vous aviez cette arme sur vous au manoir. Vous auriez très bien pu tuer le maître. Je crois que j'ai eu la pétoche. Je serais très fier. De quoi? Si vous étiez mon père. Oh non, ne commencez pas. Vous avez dit que selon la prophétie, il frappera 4 fois et après ça vous mourrez. Alors c'est lui, n'est-ce pas? C'est le maître. Ce bruit dans sa tête. C'est le maître qui va vous tuer. Oui. Alors tuez-le d'abord. C'est ainsi qu'il est devenu ce qu'il est. Moi-même, je suis loin d'être innocent. Il m'est arrivé d'ôter la vie. Et puis, je suis devenu plus retors et plus malin. J'ai manipulé les gens pour qu'ils mettent fin à leur jour. Je me dis parfois qu'un seigneur du temps vit trop longtemps. Je ne peux pas. C'est hors de question. Si jamais le maître meurt, qu'arrivera-t-il à tout le monde? Je n'en sais rien. Docteur, qu'est-ce qui se passera? Le modèle sera rompu. Ça signifie qu'ils redeviendront tous humains. Ils seront en vie et humains. Alors, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de protéger cet homme à leurs dépens. Vous allez le prendre, c'est un ordre, docteur. Prenez ce revolver, prenez-le et sauvez votre vie. Et par pitié, ne mourrez pas, je vous en conjure. Ah, monsieur, vous êtes l'homme le plus merveilleux qui soit. Je ne veux pas que vous mouriez. Jamais.